Salutations à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'hab. Aujourd'hui, on va se faire l'île Black, ça s'appelle 1-1, produit par Tamser, arrangé par Tamser, et ça a l'air d'être chaud. C'est sur la chaîne de Kiff No Beat, et je sais pas si bah, logiquement il devrait logiquement être dans le collectif. Après, je sais pas exactement. Je sais qu'on me l'a proposé dans les commentaires, donc on va voir tout ça. Pas de plan d'écran, on le dit. Lil Black. Oui. Mon nom c'est Lil Black. Je suis la vie dans Matrix. La ville de Niké. C'est chinois qui est quoi ce flow? Ultra dimensionné, my god. Tu viens du pays de Galles. Est-ce que tu connais ma cousine? Jamais, c'est la soeur de mon cousin. Jamais, mais est-ce que tu connais mon cousin? Jamais, parce qu'il aime Paris. Il est chaud. Tout le monde est méchant. J'ai jamais entendu ce genre de flow, quoi. Il est parti à la haine. On sait pas c'est quand il revient. Ton mari te trompe, non? Faut le tromper aussi. C'est parti à l'école, non? Ok, de sa bête là. Ils sont partout au niveau du rap, ils sont partout. Ah, je te jure, franchement, le rap pivot, c'est chaud. La vie, elle est remplie de petits Wednesdays. Tu veux pas me donner mon dieu, c'est bien. C'est la vie, tu veux aller chez tonton matin. Tu veux regarder qui te veut, tu fais pas bien. On n'est pas venu s'amuser, on veut plus les tiens. C'est que t'as pour nous critiquer, si ça on est loin. Ma carrière, j'ai accéléré, j'ai coupé les frais. Tu veux pas nous imiter, t'es encore un gamin. Le son là, il dit tous de franchement, le son, il est énervé de ouf. Mon petit, il faut tout mettre, t'as donné pour moi. Mon ami, c'est Philippe, j'en veux tout être plein. Je connais son statut, la grosse c'est joint. Elle refuse de m'aider malgré sa soutien. En prochain de sa date, il ne sort plus une joint. Attends, pardon, j'ai fini, j'ai mis point. Tout le monde est méchant. Franchement, j'aime beaucoup. Il est parti à la haine. Je trouve que il a un truc. Je sais pas si c'est la prod qui fait ça, ou le son, ou le flow, et le type de voix et tout. Mais en tout cas, je sais pas, il y a un truc. Je sais pas, on dirait un peu ricain là-dedans. C'est quand même chaud, c'est quand même chaud. Est-ce que vous me confirmez que le gars il est chez Kiff No Beat? Parce que je suis allé voir vite fait sur Wiki, j'ai pas vu Lil Black. Ou peut-être que c'est un nouveau membre, ou je sais pas, ou c'est un ancien, ou bien il est pas nommé en Lil Black, enfin je sais pas. En tout cas, je sais qu'il est sur la chaîne de Kiff No Beat. Il y a des tags de Kiff No Beat un peu partout. Et je crois que j'ai vu Didi B là-dedans, dans le clip, je suis pas ouf. Je trouve, je sais pas si c'est lui ou si c'est la prod. En tout cas, les deux mélangés, ça fait un truc un peu ricain, un peu américain. Ça fait un truc un peu US, genre une vibe un peu que tu peux retrouver dans ce type de son. Et je sais pas si c'est lui qui est dans ce style. Qu'est-ce que ça dit les commentaires? T'as mis porno dans ton iPhone, t'es devenu iPhone X. C'est légendaire, ça. C'est quelque chose de chaud, ça. Il est pur, hein, on sait que c'est Black. À la formation même. Blacké. Ah, je sais pas, j'ai vu un nom comme ça sur Wiki. Qu'est-ce que ça dit?
qui a lu les commentaires en écoutant le son, je vous salue. Côte d'Ivoire a du talent. Exact, ce son me donne envie de m'asseoir sur ma télé et regarder mon canapé. Les gens, ils sont trop forts dans les commentaires, je te jure. Sur les miennes, sur mes vidéos, là, je vois des trucs de ouf, je rigole. Franchement, vous êtes forts. Ma vie, vous êtes très très forts. On en parle peu de l'instru, mais Tam Sur vient de mettre tout le monde d'accord. Ah, légendaire Tam Sur. Franchement, j'ai pris une claque depuis. J'ai écouté un peu le rap ivoire là. C'est chaud, c'est chaud. Sa voix, c'est juste déjà tu tapes l'innocent pour toi. Le juge dit que t'es coupable. Les soulards, ils disent tous des paroles. C'est quoi? Ok. Voilà, il l'a tué, il blague dans 2 ans, tué pour tuer. Vraiment, ça en valait la peine. Le rap ivoire prend une autre dimension. Ça n'eut jamais tant que le rap ivoire vivra. C'est chaud. C'est chaud. Je trouve, franchement, tu sais quoi, je vais mettre un j'aime. Quand je mets un j'aime, c'est vraiment que le contenu, il m'a touché chaud, chaud, chaud. Tu vois ce que je veux dire? Là, je mets un j'aime et je vais réécouter après plusieurs écoutes pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que là, j'ai trouvé que la prod était super bien. Elle est en fusion avec l'artiste. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouvais qu'il y avait un truc en plus. Je trouvais qu'il y avait vraiment un truc en plus, même au niveau du style de l'artiste, le clip. Enfin, tout collait bien ensemble, je trouvais. Intéressant, et intéressant. Franchement, j'ai pris une belle petite claque. De toute façon, vous voyez, quand je mets un j'aime, ça veut dire que j'ai validé au maximum. Si jamais je mets pas de j'aime, que je m'ambiance, ça veut dire que j'ai validé, mais il manque un petit truc, tu vois ce que je veux dire? Mais si je mets le j'aime, là, c'est fini pour eux, là. Là, je peux le retourner, je peux aller sur Spotify, regarder le clip sur YouTube, retourner en playlist, etc. Je me demande même si je vais pas faire une petite playlist YouTube vite fait avec des bons trucs que j'ai bien kiffé, tout ce que j'ai écouté dernièrement, là. Et c'était chaud. Donc voilà, en tout cas, gros gros son, j'ai bien aimé. Les deux, la Tam Sur et Lil Black, chaud. En tout cas, je sais pas d'où il vient ce gars exactement. Est-ce qu'il est dans le game depuis longtemps ou pas? En tout cas, dites-moi vos avis sur ce gars. Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Voilà, il me fait penser à une autre sauce de son, de musique. Je sais pas, il a baigné dans quoi ce gars. En tout cas, lourd. Bon, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.